السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان مرحبا بكم مرة أخرى في قناة بروف إلياس لشرح الكونتابيليتي جينيرال لابخت ديز دامختسمو. ألون بعد ما شفنا جميع شفنا لامختسمو شفنا ليزيليمون كونسيرنون ليزامختسمو وكيشكو ليزامختسمو ديفيرون تيب دامختسمو دي فورمول يتوليزي بور تخيطي. Donc, pour faire le traitement des amortissements, le traitement comptable, demain, nous avons vu les sessions des symbolisations. On va le mettre à la fin de la chicane, d'avoir une deuxième de l'exercice d'application sur le traitement du comptable des symbolisations et la session des symbolisations. Alors, on va communiquer les renseignements concernant la balance avant l'inventaire de l'entreprise AXA au 31-12-2013. Alors, le compte matériel et utilage. Le solde débiteur, c'est 420 000 dirhams. Et le solde créditeur, 206 250 dirhams. Alors, amortissement de matériel et utilage. Alors, le compte matériel et utilage comprend. Alors, trois machines. La machine M1, la machine M2 et la machine M3. La machine M1, la valeur d'acquisition, c'est 250 000 dirhams. Il y a 10 ans et 3 mois. La machine M2, 150 000 dirhams accueil le 24-2011, et vous avez la machine M3, 80 000 dirhams accueil le 12-4-2013. D'autre part, M2 a été cédé le 25-3-2013 pour 60 000 dirhams, et le comptable, le jour de la cession, a seulement débité la banque et crédité le matériel et utilage. Le travail à faire, vous allez trouver ben, vous devez trouver le taux d'amortissement linéaire, ça veut dire le mode d'amortissement, c'est l'amortissement linéaire, et enregistrer un journal les écritures nécessaires. Alors, quand on a besoin d'un job à l'exercice, on a toujours l'aide. On a une octave. On a un petit coup là-dedans. La balance, avant l'inventaire. Et tout est la balance. Avant l'inventaire, on s'en a fait le vidéo awal. Dans awal vidéo, on s'en a fait, la balance avant l'inventaire. Alors, parce que nous sommes à la note en haut d'un seul fois. Alors, parce que nous sommes à la note. Alors, on a l'exercice N. L'exercice N moins 1 et l'exercice N. On a un compte. Compte. D'amortissement. Alors d'abord les mobilisations. Alors, nous créons l'exercice N moins 1. C'est un l'inventaire. L'inventaire N-1. Est-ce que dans l'inventaire N-1, ça veut dire, on est quand même sur la date N-1. Alors, non. On est peut-être, on est quand même sur la date N-1, qu'on saisit la valeur dans l'amortissement. Pour qu'on solde le compte. Alors, on est quand même sur le compte, qu'on est en 19 le montant, par exemple, pour la demande de l'unité. Pour qu'on solde le débiteur, sans le créditeur. Le montant D. Est-ce qu'il y a de le montant D? Le montant D, c'est le cumul d'amortissement de la mobilisation jusqu'à N moins 1. Maintenant, ça me donne les opérations courantes de l'exercice N. Comme sur la date, on est à la clôture d'exercice. Alors, la clôture d'exercice, اش تندير؟ نخرج واحد لابالونس. انا مازال ما درتش لانفونتاج، ولكن تندير واحد لابالونس. هاد لابالونس اش تيكون فيها؟ تيكون فيها لي زيليمون لي خدينا، يعني تيكون فيها لي زوبيراسيون كورونت لي دارو من ان موانز ان ان ان، وتيكون فيها لانفونتاج ديال ان موانز ان. هادي هي اللي كتسمى la balance avant
ممتاز. ملي كنمشي لليكزرسيس ان وكندير لافونتاغ كنعاود نخرج واحد لابالونس اخرى. يعني شنو كتعني ندير لافونتاغ؟ كندير لافونتاغ سافو دير كنزيد هنا نسجل واحد لافالوغ ايكغيك ديال لامي ان، كتقول لي هنا مثلا واحد 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 الطول هو مثلا ديدو. الوغ ملي كندير لافونتاغ كنخرج لابالونس après inventaire. Alors on dit deux balances, on va nous la balance après l'inventaire et la balance avant l'inventaire. Alors il a dit la balance avant l'inventaire, ça veut dire avec la balance puis les écritures comptables qui nous sont des écritures comptables concernant l'exercice N sauf l'inventaire. L'inventaire, les écritures comptables concernant l'inventaire, c'est qu'on a de l'exercice N moins 1. L'autre, t'as tenu après l'inventaire, ça veut dire la balance après l'inventaire, ça veut dire les exercices comptables, ou bien les écritures comptables, tout l'homme de l'exercice N. Avant l'inventaire, le compte amortissement, c'est qu'on fait jusqu'à N moins 1. Après l'inventaire, le compte amortissement est confié jusqu'à N. Et là, on a l'exercice de là. Maintenant, amortissement de matériel. Le compte fait 206 000 dirhams, 250. Mais là-dessus, avant l'inventaire, ça veut dire que le montant là, jusqu'à quoi? Jusqu'à la date 31-12-2012. هذا المونطون لان هنا جوج كاردات علاش؟ لان خدمنا حنايا دابا خدامين بلا بالونس افون لانفونتار. الوغ لو كونت ماتيريال كونت اوتي لا جو كومبرون. الوغ ملي كنقولو مثلا غادي تسولني شي واحد يقول مثلا هذا غنشوف مثلا طرح سؤال يقول هاد 420 درهم، هاد 420 درهم ديال ليكزرسيس ان شافو ليغ ليكزرسيس 2013. لاحظوا واحد الملاحظة. Alors, le compte matériel, c'est 250 000 dirhams. Alors, j'ai une leçon, 250 000 dirhams. Au fait, 250 000 dirhams. Au fait, 80 000 dirhams. Il est, je m'en ai un à deux. On va dire, on a égal. Alors, 0, 5, 5, 10, 8. هذا عطينا 480 ألف درهم، تبغى دير 480 ميل درهم، لكن المشكل عندنا هنا 420 ميل درهم، المشكل فين كاين؟ وهي لا سيسيو، لاحظوا هنا درنا لا سيسيو ديال 60 ميل درهم، دونك غادي نقصو 60 ميل درهم، وتعطينا 420 ميل درهم، بمعنى آخر، بمعنى أن لو كونطابل، هاد العملية ديال لا سيسيو راه تسجلها وداخلة عندنا هنايا وكاينة في لابالونس ميم سي افون لانفونتاغ. اشكال اللي غيطرق لنا في افون لانفونتاغ هو هاد لو مونطون ديال لامورتيسمون، سافو ديغ لو كونطابل مازال ما درش لانفونتاغ ومازال ما درش لا كونشيطاسيون ديال لا دوتاسيون دو لاني 2013 باش يعطينا لابالونس ابخي لانفونتاغ. الوغ فوالا هادو لي زيليمون اللي خصنا نرجلوهم بال ملي تيكون عندنا ليكزرسيس فيه افون لانفونتاغ او بيان ابخي l'inventaire. Alors, le taux d'amortissement linéaire. On va calculer maintenant le taux d'amortissement linéaire. Sinon, on a la machine M1. Le montant de la c'est 250 000 dirhams. À qui il y a 2 ans et 3 mois. Donc, vous avez la machine M1. On a la date d'acquisition jusqu'à le 31-12-2012. On a l'inventaire. Avant la balance, avant l'inventaire. Donc, on a jusqu'à 2012. Elle a acheté 2 ans et 3 mois. Donc, elle a la machine à dire où j'ai normalement la date d'acquisition jusqu'à le 31-12-2012. 10 ans et 3 mois. Ça veut dire 27 mois. Maintenant, la valeur d'origine, c'est 250 000 dirhams. Et le taux, elle a tant que le voilà. Donc, on va le mettre maintenant. Donc,
الى بغينا نحسبوا لكم لا مختصمون ديال هاد لا ماشين هادي اش غنديروا؟ غناخذوا لا فالور دوريجين غنضربوها في لو طو دا مختصمون اللي هو مطلوب وغنضربوها في 27 ثم على 12 باش نلقاو لو كومول دا مختصمون جوسكا لو 31 دوز 2012 افون لانفونتار. غندوزو لا ماشين ام2. لا ماشين ام2 اكي لو 24/2011 دونك vous avez la date d'acquisition 24/2011 jusqu'à le 31/12/2012. Alors la durée c'est un mois et neuf un an et neuf mois, donc ça veut dire 21 mois. Donc la valeur d'origine vous avez 150 000 dirhams et le taux on doit chercher le taux. Donc le cumul d'amortissement de la machine M2 sera VO2 fois 21/12 fois le taux. C'est le cumul d'amortissement jusqu'à le 31/12/2012, ça veut dire avant l'inventaire. On passe maintenant à la machine M3. Alors la machine M3 date à l'acquisition de 2013. Alors date à l'acquisition de 2013, ça veut dire l'inventaire de la machine matchigilche. Ça veut dire l'amortissement de la machine matchigilche. Là, c'est on a la balance avant l'inventaire. Donc avec la machine là, machine matchigilche l'amortissement de la, donc machine matchigilche. Donc le compte amortissement, machine matchigilche, l'amortissement de la machine M3. Donc le cumul d'amortissement total, le neuf fois la balance, achnawa, voilà, sigma l'amortissement de la machine A plus l'amortissement de la machine 2 égale VO1 fois 27 égale C2. Donc on va faire la factorisation brutto, on va brutto fois VO1 fois 27 sur 2 plus VO2 fois 27, 21 sur 2. Donc le taux égale le cumul d'amortissement divisé par la formule AD. D'autre part, on a le cumul d'amortissement égale sigma A1 plus sigma A2, ça veut dire le cumul d'amortissement de la machine A1 plus le cumul d'amortissement de la machine A2 égale à l'heure de l'arrivée de la balance. Donc, on a une application numérique. On a le cumul d'amortissement, alors 206 000 dirhams, 250. Divisé par la formule, vous avez la valeur d'origine, c'est 250 000 dirhams fois 27 sur 12 plus 150 000 dirhams fois 21 sur 12. Donc le taux d'amortissement c'est 25%. Alors on enregistre aujourd'hui les écritures nécessaires. Alors les écritures nécessaires, shalom. Alors vous avez la constatation de la dotation d'amortissement de la machine 1 de l'exercice 2013. La constatation de l'amortissement de la machine 3 de l'exercice 2013 et les écritures relatives à la cession de la machine 2. On passe à la constatation de la dotation d'amortissement de la machine 1 de l'exercice 2013. Alors vous remarquez la machine 1, la date d'acquisition jusqu'à le 31/12/2012, déjà la messe pour la date de l'exercice 2013. هاد لا ماشين دوزات العام كامل تابولي عندها انا دونك الى بغينا نحسبوا لا كونستاتاسيون دونك فا كالكولو لا دوتاسيون دو 2013 دو ماتيريال ان ان سي 250 000 درهم سي لا فالور دوريجين فوا لو تو دامورتيسمون سي 62 500 درهم. دونك لا كونستاتاسيون فوزافي لا دوتاسيون ديكسبلوتاسيون دامورتيسمون دي زيمبوليزاسيون كوربوريل دون لو كونت 6193. Vous avez l'amortissement de matériel utilisé dans le compte 28332. On va débiter le compte dotation par le montant 62500. On va créditer le compte matériel utilisé par le montant 62500. La constatation de la dotation d'amortissement de la machine 2. Alors, la machine 2, date de l'acquisition, le 12/4/2013. Maintenant, on va dire la constatation jusqu'à le 31/12/2013, donc à 32/2013, 9 mois. Donc, on va dire la formule de prorata. Donc, la dotation 2013 de matériel M3, 80 000 dirhams, c'est la valeur d'acquisition, fois 25 000, 25%, fois 9 divisé par 10, égale 15 000. Donc, la même chose, on va écrire la dotation des amortissements, l'exploitation des amortissements de symbolisation corporelle 15 000 et l'amortissement de matériel utilisé de
La troisième écriture, les écritures relatives à la scission de la machine 2. Alors, on va constater que d'abord la scission. Alors, on va 51,41 par la banque. Alors, le prix de scission, c'est 60 000 dirhams. Et le produit de scission des embolisations corporelles, 60 000 dirhams. La constatation de la dotation complémentaire. Alors, la machine date de l'acquisition, c'est le 24/2011. Et la date de scission, c'est le 25/3/2013. Donc, c'est à maintenant de la machine 3 mois, l'exercice 2013. 3 mois. Donc, si vous voulez, la dotation complémentaire, il y a 3 mois, les fenêtres, c'est à maintenant de la machine. Donc, dotation complémentaire de l'année 2013, M1, vous avez 150 000 dirhams fois 25% fois 3 sur 10. On va constater cette dotation complémentaire. Voilà. On sait la constatation de la VNA et la sortie de la machine. Alors, la constatation de la VNA, c'est le cumul d'amortissement. Que veut dire le cumul d'amortissement? C'est la date d'acquisition. Le cumul d'amortissement, c'est la date d'acquisition jusqu'à la date de scission. On a 2 ans, ça veut dire 24 mois. Donc, le cumul d'amortissement égale 150 000 dirhams fois 25% fois 2. Ça veut dire 2 ans. Quand on a 24 mois divisé par 2, là, il y a une sorte 2. Égale 75 000 dirhams. Maintenant, la VNA. La VNA égale la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement jusqu'à la date de la scission. Ça veut dire de la date d'acquisition jusqu'à la date de scission. Vous avez 2 ans. Donc, 150 000 dirhams moins 15 000 dirhams, c'est un cadeau de 15 000 dirhams. On va passer à la critère comptable. Vous avez amortissement sur matériel utilisé via 15 000 dirhams. C'est l'amortissement. Il y a des pas à faire le compte là. Maintenant, il y a 15 000 dirhams de la VNA. Il y a le compte. En bas, il y a la sortie de matériel basse de la valeur d'origine de ce matériel. Et voilà comment faire la constatation de la VNA et la sortie de la machine après sa scission. Alors, là, il y a comme alors, on connaît la partie de l'amortissement. Alors, vidéo à la radio, on va reconnaître des exercices et des exemples des examens pour les amortissements. On parle à la chose de l'amortissement, on parle à la technique, on parle à les trucs, des techniques utilisées de l'amortissement. Alors, maintenant, ça, je vais vous dire de partager la vidéo, de j'aime, de chercher sur le canal. Je vais vous dire que nous avons une nouvelle tafaoul. في القناة أنا بدخل أسئلة ديالكم تشوفوا شنو عندكم امتحان معكم تخرجوا من حاولوا نتعاونوا معكم تخرجوا عندكم أسئلة وكون واحد النوع ديال التفاعل مع القناة إذا غادي نخليكم الآن للفيديو القادم إن شاء الله.